J'ai l'impression que tout s'écroule au niveau de mon lesbianisme politique. Mais c'est pas grave, si ça peut arriver à tout le monde, hein, d'avoir une rechute. Vous étiez spectaculaire dans le rôle de Marie-Josée, une militante communiste, lesbienne politique, dans « C'est comme ça que je t'aime ». En préparant cet entretien, Sophie Desmarais, j'ai vraiment réalisé à quel point vous étiez décidée à faire ce métier-là, comédienne. Parce que vous êtes fille d'un contremaître dans une imprimerie. Oui. Votre mère travaillait chez Bell, mais à 14 ans, vous avez décidé, ben, c'est ça que je vais faire dans la vie. Là. Alors, d'où elle est venue cette passion pour le jeu? Bien, elle est venue parce que je suis allée au collège Marie-Clara, qui est un collège pour femmes. Puis quand on a fait du théâtre à l'école, bien évidemment, les rôles devaient être comblés par tout le monde et personne ne voulait jouer les garçons. Puis moi, j'étais assez timide, en fait, puis je le suis toujours, mais je suis comme, bon, ben c'était pour jouer Don Juan de Molière. Puis je me suis dit, bon, ben je vais le faire, personne ne voulait le faire. Mais je ne savais pas que ça allait être pour moi un éveil incroyable. J'écris. Cela fait du bien. Cela me divertit. Je me suis trouvée bien chanceuse d'avoir un appel vers une vocation. Tu sais, c'était comme... C'est clair pour moi que c'était ça que je voulais faire. C'était un appel? Oui, oui, vraiment. Ah oui, c'était super fort. C'était vraiment quelque chose que j'ai fait. Oh mon Dieu, mais c'est ma place. Je veux être sur scène et défendre des personnages. Je n'ai pas sauté! Il s'agit de détails parfois pour y aller ou ne pas y aller. Le théâtre, le cinéma, ça vous permet de vaincre cette gêne-là, cette... Oui, absolument. Elle est toujours là quand même. Je reste quelqu'un de timide, mais c'est pour ça que ce qui m'intéresse, c'est de jouer des personnages et non pas, mettons, devenir une animatrice ou une personnalité publique. Là, qui, tu sais, c'est pas ma personnalité, mais donc, moi, si je suis... Si je sers l'écriture l'écriture d'un rôle, ben je vais me sentir... Donc, pour vous, donner des entrevues, c'est pas nécessairement votre tasse de thé, là. C'est, vous préférez être dans le personnage, dans le coup de quelqu'un d'autre. Exactement. Oui, oui, absolument. Puis oui, ça me rend nerveuse, les entrevues, puis les apparitions publiques. Je suis très, très discrète sur les réseaux sociaux. J'aimerais ça partir, sortir de ma petite ville, là, voyager. Voir le monde. Et j'essaie de me respecter là-dedans parce qu'on dirait qu'aujourd'hui, on dirait qu'on a de la pression, les acteurs, ah, il faut absolument être sur plein de plateformes puis s'auto-promouvoir. Puis moi, ça me parle pas du tout. Faire des jeux questionnaires. C'est ça. Puis ça, ouais. Ça vous intéresse? Ça vous intéresse moins? Non, ça m'intéresse pas beaucoup. Enfin, ah. Non. Mais pourtant, c'est payant, c'est une belle visibilité, une belle fenêtre. Oui, des fois, ça peut être bien pour faire de la promotion, surtout d'un projet. Si je vais en faire, c'est surtout dans cette idée-là. C'est pour. Parce qu'il y a un projet, mais tu sais, l'idée de « Ah, il faut que je sois visible, qu'on me voit », ben on dirait que j'aime mieux prendre le pari d'être anonyme. Wow! Ben c'est plus parce que je suis réservée, puis c'est juste que j'ai pas de jugement là-dessus, c'est juste que ça me ressemble pas. J'aime ça les acteurs qui sont plus anonymes, parce qu'on dirait que moins on les connaît, plus on adhère à la proposition. Fait que je sais pas, je préfère me... Et quel acteur anonyme aimez-vous le plus? je pense, mettons, à Sébastien Ricard, qu'on voit peu dans ces choses-là. Ben, je trouve que Sébastien a une belle démarche, là, tu sais, que... Parce que moi, qui m'inspire de... Ah, il en fait un petit peu, mais il en fait pas trop, puis on connaît pas trop de choses sur lui, puis on dirait que c'est vraiment plus les rôles qui sont marquants, tu sais, le concernant que... je sais pas, ce qu'il fait de ses fins de semaine, par exemple. OK, vous avez vraiment multiplié les rôles au théâtre. Oui. Mais vous vous êtes fait connaître surtout dans la série Yamaska. Ça a été le tournant, ça, pour vraiment propulser votre carrière? Au niveau télévisuel, je pense que oui. Il dit que si elle veut, elle peut venir coucher en cuillère avec moi, par exemple. T'as entendu? Yamaska, ça a été une super belle aventure. Ça a duré 6 ans pour moi. Puis j'avais de la chance parce que j'avais juste 3 jours de tournage avec ce rôle-là. Puis même mon agent était comme, es-tu sûr? Parce que si tu fais ces 3 jours-là, après, t'es brûlé dans la série, tu peux plus revenir. Puis ah, ben, oh, j'ai besoin d'argent, puis le rôle est le fun, fait que je vais y aller. Puis j'ai été chanceuse parce qu'ils ont aimé le personnage, puis ils m'ont gardé pendant 6 ans. Puis j'ai pu faire un espèce de duo qui était chouette avec René Richard Cyr. Fait que c'est une belle rencontre pour moi. Comment tu voulais qu'elle sache qu'Ingrid et Olivier devraient être là? Non, mais ça fait bien qu'elle allait finir par tomber sur eux autres à un moment donné. Ça aussi, le cinéma, ça vous interpelle. Qu'est-ce qui vient vous chercher dans cette forme d'art-là? Oui, le cinéma, c'est peut-être l'art qui est le plus près de moi, là, encore plus que le théâtre, je dirais. S'il n'y avait pas la course, tu ferais quoi? Comme je disais, j'ai une nature un peu timide, puis peut-être un peu intériorisée parfois. Je suis réservée. Puis donc, le cinéma, c'est plus simple pour moi parce que tu as une émotion, puis tu fais juste la jaillir un petit peu, puis
hop, elle s'exprime. T'sais, c'est pas comme au théâtre où faut... tu parles de l'intérieur aussi, mais il faut que tu déploies là, t'sais, jusqu'à la dernière rangée en arrière de la salle. Fait que c'est un exercice qui est différent. Sophie Desmarais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Juste te dire, Gaétan, j'accepterai aucune dissension dans les rangs. On dirait que tu dis ça juste parce que c'est moi qui est devenue la chef.